Nous sommes dans le cadre d'un colloque, d'un événement de 2 jours qui réunit à peu près 200 personnes pour parler de l'articulation entre développement durable et participation citoyenne. Dans ce cadre-là, une carte blanche a été proposée à la Gironde pour imaginer un exercice pour aller à la rencontre des citoyens. 21 groupes de 5 à 10 personnes sont partis sur 21 lieux différents à la rencontre de 21 publics. L'idée, c'est de questionner les gens sur leur vision de la participation citoyenne et du développement durable. On n'est pas simplement entre experts dans une salle à imaginer le bien des gens malgré eux, on va à la rencontre des gens pour voir comment eux vivent la participation, vivent le développement durable ou ne le vivent pas. À côté de ça, une dizaine d'experts sont réunis dans une salle pour essayer d'avoir un regard un peu plus transversal sur cet exercice. Ils communiquent par SMS avec l'ensemble des groupes et permettent d'alimenter en questionnement, d'essayer de regarder ce qui se passe sur un autre groupe pour faire rebondir dans les échanges des gens en matière de participation et de développement durable. Malgré toute la communication qui est faite autour des mots de développement durable, biodiversité. Alors l'agenda 21, j'en parle même pas parce que personne ne sait ce que c'est. Mmh. Justement, ça me fait un point d'interrogation un petit peu. Je pense savoir ce que c'est sans pouvoir l'expliquer, mais je ne me suis pas plongée là-dedans. Je comptais sur vous même pour me l'expliquer. Agenda 21, ça peut être quelque chose qui un agenda qui contient 21 dates d'un tour. L'agenda 21. J'avoue que non, rien du tout. Vous avez entendu parler non, de ça? Non, jamais. C'est d'agir pour le bien des autres et avec les autres. Concrètement, à quoi vous participez, vous? Quelles devraient être les règles du jeu de la participation? Pour qu'une participation se fasse et que les habitants, ou en tout cas les personnes invitées, puissent totalement s'y retrouver et ne pas être frustrées, je pense qu'il est totalement nécessaire d'avoir des règles du jeu. Pourquoi vous êtes invité? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Dire clairement ce qu'on va faire de de la parole des personnes invitées. Donc il faut vraiment, c'est un contrat de confiance. J'ai adhéré à cette volonté de mettre en œuvre ce genre de démarche, même si au départ j'avais une vision assez floue de ce que ça pouvait être et de l'ampleur que ça allait prendre. En ce qui me concerne, d'abord j'avais envie de faire quelque chose. Humble mais utile, parce que j'avais souvent une réaction de révolte par rapport à des laisser-aller supposés, en tout cas collectifs en quelque sorte, et pour pouvoir faire quelque chose et puis rencontrer des gens qui avaient envie de faire la même chose. C'est pas que les gens, que le citoyen ne veut pas, c'est que je crois qu'il faut trouver le moyen de l'amener pour faire. Mais la participation, c'est l'investissement. L'investissement. Ouais, quand on parle de participation donc, citoyenne, par exemple. Aux choses de la cité, etc. De la cité, de la ville, donc de la politique dans le sens noble. Ils comprennent notre action, ils approuvent. Citoyen, je considère que c'est une richesse, un privilège des vieilles nations. La participation collective et citoyenne est une chose absolument utile. Elle permet de s'enrichir, de s'éduquer, de débattre, de créer, de se confronter aux autres. Ça permet de faire naître des projets, ça permet de les soutenir. Donc c'est pour moi, c'est une chose essentielle pour la création d'une civilisation, pour la création de groupes, d'associations, d'entreprises, de clubs sportifs. Ça peut être vraiment simple, quoi. Donc voilà. Les retraités sont beaucoup plus ouverts à cela. Toutes les contraintes de la vie sont quasiment terminées. Oui. Il y a une forme de liberté qui s'installe et donc de disponibilité. Et à partir de là, on voit que ça, c'est pareil. L'essentiel des participants sont des gens d'un certain âge. Parce que justement, je pense ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes, mais les proportions sont moindres. Mais la société actuelle empêche les gens de réfléchir un peu et voilà, ça les abrutit un peu dans ce mode de pensée, toujours consommer, toujours avoir plus, etc. Il y a plus et de pas se poser de vraies questions ou de vraies réflexions. Le problème, c'est que les gens, ils cherchent plus à réfléchir, cherchent juste à pouvoir payer leur facture. Voilà. Ils pensent plutôt au confort et... C'est plutôt mettre une vie matérielle, au dodo quoi. Plutôt qu'on va aller essayer de s'instruire. Ils pensent plus à la vie matérielle que à quoi? Intellectuel et spirituel. Nous sommes d'une génération où la notion de bénévolat existait fortement, ce qui existe de moins en moins aujourd'hui. D'où l'importance des relais que sont les associations. Et je pense que c'est un relais fort et il faut l'exploiter. Oui, peut-être est-ce que participer au monde associatif, alors c'est une participation citoyenne. Dans ce cas, oui.
je participe aux activités sociales, associatives. En participant, oui, à des activités, à des actions, oui. Ça, oui, là, il y a quelque chose de constructif. Mais aller voter, c'est... il n'y a rien de moins constructif, en définitive. On met son bulletin dans une urne et puis on laisse faire. Il ne semble pas qu'on participe vraiment à la réalité des choses en allant voter. C'est vraiment difficile. Il y a des hauts et des bas. C'est une démarche longue haleine. De toute façon, on n'arrivera pas à aboutir. Mais c'est de longue haleine, voilà. Mais déjà, enfin, comme on le souhaite dans l'espace de 3-4 ans. Il n'est pas question pour nous du tout de dire comment on organise une participation, mais plutôt de définir des paramètres qui obligent à la participation et qui permettent aussi d'élargir la participation à des gens qu'on n'entend pas d'habitude. Non, tout ça reste encore assez théorique. C'est pas vraiment quelque chose où je me suis impliqué, comme je pense la plupart des jeunes de mon âge. C'est quelque chose qu'on nous rabâche, c'est actuel, mais c'est pas forcément quelque chose où je me suis vraiment impliqué. Ben, les gens ici ne savent pas comment on fait, que ce soit les citoyens, je parle pour moi, je ne sais pas comment on fait une participation, hein. Que ce soit les élus qui sont demandeurs, hein, mais qui ne savent pas comment on fait non plus, et encore moins les techniciens qui se sentent au début très gênés par ces démarches. Les citoyens doivent être formés en premier, hein. Ça c'est vraiment très important. Hein. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être un spécialiste dans un domaine pour pouvoir animer, mais on peut apporter qui est nouvelle, qui a un regard neuf, peut poser la question qui soit est un grain de sable, parce que ça peut être le grain de sable, soit celle à laquelle les techniciens ou les technocrates n'avaient pas pensé. Chaque individu, par sa petite pierre à l'édifice, peut faire avancer les choses, d'abord parce qu'il fait des économies à son niveau, mais aussi qu'il sert d'exemple. Mais la décision reviendra de toute manière à l'élu. Alors, qu'est-ce qu'évoque développement durable? C'est se mettre à vivre maintenant comme nos anciens vivaient avant. Hein. Parce qu'avant, les anciens, ils vivaient avec ce qu'ils avaient. Hein. Ça va être donc, un petit peu. De préserver la nature tout en arrivant à évoluer d'une certaine manière. Ce futur peut-être un peu mieux qui nous attend. Au niveau politique ou au niveau de la ville, ça peut être des projets simples et... constructeur sur le long terme. Bah, l'intelligence collective, comme je vous l'ai dit, c'est permettre de réussir collectivement ce qu'on ne peut pas réussir seul. La participation, c'est travailler avec des gens, c'est partager des choses, partager des activités, partager des idées. Il va falloir avoir une vraie compétence dans l'animation de ces réunions-là, ou une vraie compétence dans la synthèse de ces réunions, parce qu'en fait, il va falloir essayer de faire un projet d'intérêt général à partir d'intérêts personnels, en quelque sorte. Pour moi, les jeunes, souvent, ils ne participent pas parce que les projets qu'on leur propose ne leur parlent pas. Mmh. Je crois qu'il faut que ça concerne vraiment le citoyen. Bon, je fais attention à fermer le robinet, j'éteins les lumières, je laisse pas les lumières allumées. Ensuite, j'utilise le tramway, par exemple. Ça, c'est moins facile de répondre spontané avec une belle phrase comme tout à l'heure et naturelle. Mais en gros, la participation des gens, ça se passe surtout au tout début vis-à-vis des enfants pour pas perdre le lien avec le monde sensible. Ça, c'est important. L'idée principale qui ressort des groupes dans lesquels on a pu
travailler, c'est d'abord que la participation, c'est un processus qui se met en place sur trois temps. C'est l'avant. L'avant, c'est d'être clair sur ce qu'est la participation. Le deuxième élément, c'est le pendant, c'est-à-dire être clair aussi sur les règles du jeu de la participation. Et des règles du jeu sont aussi des bonnes conditions, et les bonnes conditions qui ont été remontées aussi par les groupes sont la convivialité, l'aspect non officiel de toutes les instances possibles, et du coup dans des instances qui sont assez transparentes, en quelque sorte. Et le troisième point, qui paraît encore plus important dans le sens de la décision, c'est l'après. Et l'après, c'est aussi le rôle, notamment des élus, de rendre compte, d'expliquer, d'avoir une pédagogie de la décision qu'a amené le processus participatif. Un des facteurs de réussite, c'est aussi partir des centres d'intérêt des gens individuellement et de leurs préoccupations et de les aider ensuite à faire le lien et donc de les amener progressivement vers le collectif. C'est un processus donc, qui se construit dans le temps et qui permet de leur donner confiance petit à petit. Partir du plaisir, de la convivialité, en insistant sur l'aspect aussi curiosité pour le développement durable, cette notion qui se construit ensemble, envie de comprendre et envie de s'impliquer également. Demander une participation à chacun, une implication, c'est être en questionnement sur les rôles et les postures de chacun. Les postures et le rôle de l'élu, du citoyen, c'est être en capacité de s'accepter dans ses différences, de s'accepter dans la remise en cause possible qui peut venir, qui peut surgir, accepter les débats, accepter le consensus, mais le dissensus également. Et c'est comment finalement chacun peut trouver et construire sa place, être plutôt en acteur que finalement sur des doléances, sur des qui peut venir de la collectivité ou des citoyens. Une petite mise en garde quand même, c'est sérieuse parce que la participation ce n'est jamais gagné. Je crois que ça a été dit ce matin, ça a été répété cet après-midi, c'est un combat permanent et ce n'est jamais définitivement acquis. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de choses qui menacent les processus de participation. La manipulation politique, c'est clair, le mépris, l'absence de respect, de considération, c'est un mot important, et aussi... ça a été évoqué tout à l'heure, une trop forte injonction. Et puis enfin, je crois qu'il faut prendre en considération le fait que certains ne se sentent pas immédiatement qualifiés et qu'il faut répondre à cette difficulté en proposant d'autres supports, d'autres formes d'application, permettre aux gens de se saisir des choses qui les concernent.